Bonjour et bienvenue à Colmar pour ce nouveau rendez-vous gourmand. Nous sommes ici dans le quartier de la Petite Venise, sur une barque destinée à transporter les touristes. Colmar est une ville éminemment touristique, connue pour ses canaux bien entendu, mais également pour son patrimoine architectural merveilleusement préservé. Préservé des deux guerres, de toutes les guerres d'ailleurs, et surtout du mauvais goût. Nous sommes ici devant les halles couvertes de Colmar, à l'endroit même où les maraîchers venaient livrer à bord de leur barque leurs légumes. Colmar est la ville natale d'Auguste Bartholdi, un sculpteur mondialement connu pour avoir créé la statue la plus célèbre du monde, la statue de la liberté qui symbolise aujourd'hui New York. Je vous propose de rejoindre Julien Bise dans ses cuisines, tout de suite. Julien Bise, on vous retrouve dans la salle du restaurant gastronomique du Rendez-vous de Chasse, le restaurant gastronomique du Grand Hôtel Bristol. Je veux savoir, quelle cuisine y préparez-vous et plus profondément, quel est votre style de cuisine? Alors, on peut qualifier ma cuisine en fait de tradition évolutive. Alors, tradition évolutive, pourquoi? Parce qu'en fait, tout est appuyé sur les bases traditionnelles de la cuisine française, avec notre vision personnelle de ce qu'est cette cuisine. D'accord. Et nous sommes ici dans un terroir qui est quand même très ancré au niveau de la gastronomie, qui est très marqué. Est-ce que la cuisine alsacienne influence votre propre répertoire? Évidemment, on est très ancré localement, on a de très belles productions et forcément, ça constitue notre base de créativité. Et la création du plat, ça part de cette rencontre avec le produit? Vous avez d'autres sources d'inspiration quand vous commencez à installer un nouveau plat à votre carte? Comment ça se passe? Alors, la première source d'inspiration, c'est la saison. On a une obligation de suivre une saison. Donc, quand un produit disparaît, forcément, on est obligé d'arrêter et de passer à autre chose. Et on est forcément obligé de s'intéresser au produit qui démarre à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier fil conducteur dans la démarche créative. On le sait, vous êtes étoilé au Guide Michelin, une étoile. Je crois que vous l'avez vu en 2010 de mémoire. Est-ce que ça aussi, ça change votre rapport à la gastronomie, à la cuisine ou pas? Non, ça ne change pas les choses parce que j'ai envie de dire, j'ai toujours travaillé dans des restaurants étoilés Michelin. Donc la démarche, l'esprit, j'ai envie de dire, cette culture a toujours été présente. Dans 30 secondes, nous allons vous rejoindre en cuisine. Quelle recette avez-vous préparée? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous préparer un filet de canette de chaland rôti, accompagné d'une polenta avec un gel de kumquat, une petite poêlée de girolles et une sauce à l'orange. C'est un plat de grand chef, ça donne envie d'être vu. En fait, on part d'un classique assez connu, donc le canard à l'orange, mais qu'on a revisité un petit peu à notre façon. Bonne idée. Et pour ça, quels sont les ingrédients? Alors les ingrédients, on commence évidemment par la fameuse canette de chaland, hein, qui est le produit essentiel ici dans notre recette. C'est un produit qui nous est ici fourni par la maison Soulard, hein, une très belle maison sérieuse qui nous fait vraiment ici un produit d'exception. On a bien entendu les kumquats qui vont nous servir pour faire le gel de kumquat qui accompagnera cette canette. On a une petite polenta qu'on va cuisiner également à l'orange et après un certain nombre d'aromates qu'on va utiliser pour faire la sauce. Voilà. D'accord. Si donc on a évidemment la canette en entier, il faut séparer les cuisses et les filets de la carcasse pour pouvoir les travailler. Alors bien entendu, là, on peut tout à fait trouver les cuisses ainsi que les poitrines dans le commerce, tout à fait. Donc en label rouge également. Hein. Donc on commence donc par séparer les cuisses de la carcasse. Voilà. On va longer en fait un os tout le long. Finalement, ça a l'air d'être assez simple la découpe. Tout à fait. Il suffit en fait de suivre l'ossature de la bête. Et là, c'est une portion pour combien de personnes ce filet? Alors une canette comme celle-ci, on peut faire manger deux personnes avec. Hein. Bien, bien manger. Hein. Il y a ce qu'il faut. C'est quand même une bête qui est assez charnue. Oui, je vois ça. On essaye de laisser le minimum de chair sur la carcasse. Hein. Parce que la carcasse, par la suite, nous allons la réutiliser si j'ai... Alors là, on va l'utiliser, nous, pour faire la sauce, en fait. D'accord. Ensuite, il faut dégraisser un petit peu. Donc on va directement, en fait, parer tout ce qui est nerfs et choses comme ça qui ne sont pas du tout agréables dans la consommation quand on mange, en fait. Et ensuite,
pour que la chaleur pénètre bien lors de la cuisson. On a l'habitude de quadriller, en général, la graisse. Pour que tout soit homogène, j'imagine. Voilà, tout à fait. Comme ça, la chaleur rentre de manière uniforme à l'intérieur. Alors, donc, vous voyez, là, il y a une belle couche de graisse. Elle n'est pas trop épaisse non plus. Ensuite, les cuisses. Donc, on tire bien l'ensemble de cette manière-là. Et on va descendre et on va couper pile poil dans l'articulation. Comme ça, il restera ce morceau-là. On le met de côté pour une autre utilisation. On peut le confire également avec, quoi. Et on va garder cette petite cuisse manchonnée de cette manière-là. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à la sauce. D'accord. C'est une étape très importante, hein. C'est ça qui va porter l'ensemble du plat. Hein. La sauce, c'est la signature du plat, bien sûr. On va concasser notre carcasse de cette manière-là. On a l'os à l'intérieur, ça fait partie, ça donne du goût, hein. C'est très bon tout ça. Hein. C'est même cette graisse de canard, quand elle va griller, elle va apporter beaucoup de saveur. Hein. On taille grossièrement hein, toutes les parties. Donc, une casserole, on va mettre à chauffer un petit peu d'huile dedans. À une température particulière ? Alors, moi, j'avais envie de dire, pour faire griller les choses comme ça, il faut que ce soit fumant. D'accord. Alors, parallèlement à ça, il nous faut une petite garniture qui va accompagner ça, à base de gingembre, un petit peu d'échalote et un petit peu d'ail. On découpe ça de manière un peu grossière. Hein. Je vois ça, oui. Donc là, maintenant, on est au stade idéal pour mettre notre viande à rôtir dedans. Quoi. Ça va directement accrocher, hein, assez rapidement, comme ça. Et ça, cette préparation, elle se fait en combien de temps ? Alors, la sauce, il faut à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour la cuisson. Hein. D'accord. Ça doit mijoter tranquillement, ça n'a pas besoin de cuire très fort. Donc là, je vais prendre donc la garniture aromatique que je viens de tailler, je vais la rajouter dedans. On va bien la faire revenir avec l'ensemble des carcasses. Alors là, pour aider à la caramélisation, on va rajouter dedans une laque. Alors qu'est-ce que c'est une laque ? Oui. Une laque, c'est un mélange en fait à base de miel et d'épices avec un petit peu de sauce soja. Pour faire cette laque, j'ai un petit peu de miel, ici du miel de fleur d'acacia, dans lequel je rajoute un petit mélange d'épices. Alors les épices, en l'occurrence, là, c'est du poivre de Sichuan, un petit peu de carvi et de coriandre. Donc ça, on le mélange, en fait, tout simplement, on le met dans le miel. Je rajoute de la sauce soja. Mm-hmm. Quelle quantité de sauce soja ? Alors là, j'ai à peu près 40 grammes. Et un petit peu de vinaigre de xérès, ici 15 grammes. Ah oui, il y en a très peu. Et après, il suffit de le mélanger. C'est aussi simple que ça. Un petit coup de fouet. Donc là, on va rajouter donc 2 belles cuillères à soupe sur l'ensemble des carcasses. Donc là, une belle caramélisation. Donc le miel va caraméliser, ça va accrocher un peu plus au fond de la casserole. Et est-ce qu'il va distiller son parfum à l'ensemble ? Alors là, on le sent déjà, le parfum. Il y a les épices déjà qui commencent à nous amener plein d'arômes différents qui vont être vraiment très présents, même à la fin. Je vais ajouter maintenant, en fait, je vais faire ce qu'on appelle déglacer, c'est-à-dire que je vais jeter un liquide dedans. C'est dangereux ? C'est pas dangereux, mais ça va faire de la vapeur. Donc là, en l'occurrence, du jus d'orange. On va laisser cuire un petit peu ce jus d'orange. On va mettre les cuisses au sel. Donc là, il s'agit de faire une saumure à sec. On prend du gros sel, on va déposer nos cuisses dedans et ça va nous permettre en fait, de les laisser reposer pendant 24 heures de cette manière-là et on les cuira plus tard. D'accord. Voilà. On va récupérer nos petites cuisses. On va juste faire une incision à quel niveau ? À peu près à cette hauteur-là. D'accord. Elle va jouer quel rôle, cette incision ? En fait, au moment de la cuisson, la peau va se rétracter et ça va nous dégager en fait, l'eau de l'os. D'accord, j'ai compris. On donnera un os très net. Donc, on dépose complètement dans le sel nos 2 petites cuisses. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie du travail préalable ? Ça, c'est des travaux préliminaires, oui, tout à fait. Voilà, on dépose comme ça. On va rajouter un petit peu de laurier et de genièvre. Donc, on met quelques petites baies, comme ça, de manière aléatoire, qui vont développer un petit peu de parfum. Et on rajoute encore du sel par-dessus. Et ça, on va le placer au frigo, tout simplement, et on va le laisser comme ça jusqu'à demain. Voilà. Pendant ce temps-là, notre jus d'orange a réduit et caramélisé. C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre une caméra dans la casserole, hein. Mais ça vaudrait le coup. Et là, je vais rajouter là, moi, un jus de volaille que j'avais préparé aussi un petit peu à l'avance, qu'on peut trouver dans le commerce. Et ensuite, de l'eau
on rajoute à hauteur. Alors quand vous dites à hauteur, c'est pour... Comme ça va cuire longtemps, oui. Si on ne met pas assez d'eau, il ne restera plus rien dans la casserole avant même que ce soit terminé. Et maintenant, ça, on va le laisser cuire tranquillement. Donc, pour la cuisse confite, on a donc la graisse de canard. Ça, cette graisse, pareil, on peut l'acheter en conserve? Alors ça, on l'achète en conserve et on met ça en casserole et ça, on chauffe ça, ça devient complètement liquide. On amène ça à une température de légère ébullition et il suffit en fait de plonger les cuisses de canard qu'on a placées au sel, donc la veille, dedans pendant à peu près une heure et demie. À feu, juste un petit frémissement. D'accord, frémissement. On prend un petit peu d'eau, on retire l'excédent de sel. À la main, comme ça, tout main, simplement, hein, oui. Voilà, et on les passe dans l'eau. En fait, on va les laver. Et le canard, c'est une viande qui se prête bien à ce type de préparation? Alors, la cuisse de canard est idéale pour la cuisson confite de cette manière-là. Quand elles sont bien lavées, on les égoutte, hein, évidemment. Et ensuite, il suffit juste de les plonger dans la graisse chaude. Là, on va monter un petit peu le feu. Dès qu'on va voir une ébullition se former à la surface, on va baisser le feu afin que ça n'aille pas trop fort. Hein. Là, maintenant, on va passer au kumquat. Donc, le kumquat, en fait, confit, on va tout simplement le cuire dans un sirop. Il faut savoir que le kumquat, c'est un fruit qui est quand même relativement amer. Oui, bien sûr. Donc là, le fait de le cuire dans un sirop comme ça épais va beaucoup l'adoucir. Alors, quel est l'intérêt du kumquat dans cette recette? Le kumquat, c'est un fruit, en fait, c'est un agrume qui est mentholé. Un petit peu, oui, en effet. Et en fait, ça va rafraîchir l'ensemble de la recette. Ah, ça va bien se conjuguer avec le gras du canard. Exactement. Donc là, on a un petit peu d'eau qui est en train de frémir. On va rajouter à peu près 500 g de sucre dedans. Et nos kumquats. Donc là, pour 500 g de sucre, donc, j'ai mis 1 kg de kumquats. On les noie. Et ça, on va laisser cuire maintenant pendant à peu près une heure aussi, une heure et demie, tranquillement. Ça, et naturellement, ça peut se faire aussi en amont. Ça, c'est en fait, on va réaliser en fait un confit, hein, tout simplement. Donc c'est un peu comme une confiture, c'est très sucré. D'accord. On peut le faire même plusieurs semaines à l'avance, si on le souhaite. C'est bien, c'est bien. Et on peut le garder au frais. De manière toute simple, ça se garde sans souci. Étape suivante, on va faire la polenta. On va la cuire dans du lait. C'est pour quelle raison ? Un petit peu plus parfumé que l'eau, tout simplement. Et on va rajouter du zeste d'orange encore un petit peu dedans. Okay. Donc là... Vous en mettez si peu que ça ? J'ai à peu près 60 g de semoule de polenta. Et pour ça, j'ai 350 g de lait. Ah oui. Donc on va mettre sel et poivre directement dans le lait et les zestes d'agrumes aussi. D'accord. Ça va développer le parfum. Un petit peu de sel. Poivre du moulin. Ensuite, le zeste. Alors là, moi, j'utilise une râpe qu'on appelle microplane. Et tout le zeste est récupéré au-dessus. Là, il faut en mettre beaucoup. Trois fois rien, ça va développer beaucoup de parfum. Cette polenta, on va la mouler après dans une plaque, dans des petits cercles. Donc on verse la polenta en pluie, hein, quand elle est chaude. Hein. Et elle va être prête en combien de temps? 2-3 minutes. Ah oui, non, j'ai vraiment raté la mienne. C'est sûr. Faut toujours bien remuer pour éviter que ça accroche. Et là, ça sera fermé, hein, ça commence à avoir un aspect un peu crémeux. Hein. Là, vous voyez que les kumquats ont commencé à frémir tranquillement. On va... en fait, utiliser cette poche qui va nous permettre de remplir de manière beaucoup plus rapide tout ça. La polenta, là, comme on vient de la cuire, elle est bouillante. Hein. Prenez un torchon, vous le tenez de cette manière-là. Entendu. Ouais. Et puis ensuite, on remplit le cercle quasiment jusqu'en haut. Et la forme va se maintenir? En fait, une fois que ça sera refroidi, on aura un cylindre. Et on n'a plus qu'à le placer au frais pour qu'il durcisse. Maintenant, on va s'occuper de nos kumquats. Donc vous voyez, là, ils sont complètement confits. Alors à quoi est-ce qu'on voit que le kumquat, il est confit? Bonne question, journaliste. En fait, il devient translucide. Vous voyez, il est tout, en fait, il flétrit un petit peu, hein, puisque maintenant, évidemment, il n'a plus sa structure originelle. Hein, il est, comme on dit, archi-cuit quelque part. Donc il faut les goûter pour avoir juste le fruit, et on va quand même garder le sirop, parce que le sirop va nous servir à l'amener à la consistance voulue. Parce qu'il faut que ce soit ferme, mais il ne faut pas non plus que ça...
Depuis le début de cette recette, j'ai remarqué que vous jetez pas grand-chose. Ah, j'aime pas ça. Ça se voit. Ah non, ça c'est pas bien, ça faut pas jeter. Ça se voit. Donc on va le filtrer, hein, tout simplement. On va tout de suite remettre un petit peu de sirop dans la casserole, ça sera plus facile pour verser dans le mixeur. Voilà. Donc là, on va prendre le bol du mixeur. On a donc les kumquats qui sont prêts à être mixés. Et c'est parti. Voilà. Alors il y a encore plein de petits morceaux dedans. Donc on va passer ça au travers d'une passoire très fine pour enlever tous les éventuels pépins et c'est indispensable ça, ou c'est du perfectionnisme? Non, c'est indispensable. Les pépins ne se mixent pas et c'est très très désagréable. Donc il n'y a pas d'autre solution. Okay. Ensuite, il y a une petite louche. On va l'appuyer bien au fond. Nous, on appelle ça fouler en cuisine. Fouler. Fouler. Et on va le faire passer. On voit bien qu'il y a du pépin, qu'il y a des petits points verts. Oui, on est fou. Il y a tout un tas d'éléments qui sont à l'intérieur, en fait, qui ne cuiront pas et qu'on ne pourra jamais mixer. Hein. Ça, s'il y a un pépin, on perd son étoile Michelin, en fait. Ah, là, c'est plus que le pépin. C'est le coup dur. Hein. C'est le coup dur. Vous voyez, on a un joli gel. On dirait de la lemon curd vu de loin. C'est presque un peu une texture un peu comme une mayonnaise. On va garder de côté. Donc maintenant, on va passer notre jus, notre sauce. Alors ça, c'est que les carcasses, en fait. Hein, donc il n'y a rien qu'on va garder. Par contre, comme ce jus est très précieux, on va bien appuyer pour en extraire le maximum. Donc voilà notre jus. Là, on va le goûter déjà pour voir s'il est suffisamment corsé. On est pas mal, hein. Il manque pas grand-chose. À ce stade, vous le laissez réduire encore combien de temps? Je n'ai pas envie de parler de temps, j'ai envie de parler de volume. On va le réduire encore d'un tiers. Ah oui, quand même. Donc maintenant, on va s'occuper de notre filet de canette. On va le faire rôtir. Là, en fait, on est sur les toutes dernières étapes de votre recette. Quasiment, oui. On arrive au bout, là. Donc, l'assaisonnement. Excusez-moi de vous avoir coupé. Ça, c'est vraiment la dernière minute. C'est pas des choses qu'on peut préalablement, là. C'est pas tout à fait la dernière minute. C'est-à-dire que c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de servir l'assiette. Un petit peu de sel et de poivre. Donc, on va le mettre tranquillement dans la poêle. Et on va le mettre à cuire là, de ce moment-là. Alors on le laisse cuire à feu assez vif pour qu'il colore. Il ne faut pas le sécher, en fait. D'accord, pour que ça soit croustillant, pratiquement. Voilà, pour une cuisson assez belle, assez lente, quand même. Un bon produit, c'est déjà une bonne recette, on peut le dire, quand même. En fait, Prosper Montagnier disait, on ne fait du bon qu'avec du très bon. Je suis assez d'accord, moi. Donc, en fait, notre rôle, c'est de maintenir le produit à son niveau. Et si on peut rajouter une petite touche, ben on le fait, oui, bien sûr. Bon, là, on va le laisser cuire tranquillement, on va baisser un petit peu le feu. Vous voyez, comme il y a une belle coloration. Ben ça, c'est magnifique. Donc là, moi, je vais sortir le filet de la canette, là. Je vais le débarrasser dans une petite plaque et je vais le maintenir au chaud. Donc, on maintient le filet au chaud. À la maison, au four, à peu près 150 degrés, c'est suffisant. Vous voyez, la sauce commence à faire des petites bulles qui deviennent épaisses. Là, on arrive à une réduction naturelle, en fait, comme un sirop. Donc là, maintenant, je vais le mettre de côté. Là, j'ai gardé la graisse avec laquelle qui s'est un peu échappé de notre filet de canette. Et je vais là-dedans maintenant mettre quelques échalotes que j'ai préparées un petit peu à l'avance, avec un petit peu de beurre. Et on va faire une toute petite poêlée de girolles. Elles ont une forme particulière, vos girolles. Alors ça, ce sont des girolles clous. En fait, elles sont toutes petites. Elles font de 1 à 2 cm hein, à peu près. C'est un produit qui est ramassé à la main, hein. Vous voyez, c'est tout petit. Je m'en doute, mais c'est ramassé où? C'est minuscule. Ça vient d'où? Alors là, en ce moment, il y en a plein en France, hein. On est en pleine saison. Hein. Mais en Alsace, c'est spécialisé. Alors en Alsace, on a plutôt de la grande. Hein. D'accord, là, oui. J'en ai vu sur le marché ce matin. Voilà. Donc voilà, on va mettre quelques girolles. Voilà, une jolie petite poêlée. On va assaisonner de sel et de poivre. Le geste est précis. Et maintenant, on a donc récupéré nos cylindres de polenta qu'on a fait tout à l'heure. On va les démouler. On prend le cercle, on l'appuie tout simplement et on extrait le cylindre. Ah oui, tout simplement. Il est ferme, hein, il n'y a aucun souci pour le manipuler. Ça fait un peu penser au panis niçois, vous savez. Alors la polenta, c'est quand même assez consistant à manger. On va donc découper ces cylindres en deux.
Comme ça, on aura un morceau par personne. Pour la préparation de l'assiette, on va mettre un peu de gel de kumquat à l'intérieur. Donc on va faire un trou avec un vide-pomme et on va transpercer complètement la polenta pour pouvoir remplir avec le gel de kumquat. Et comme on ne jette rien, qu'est-ce que vous faites de ça? On ne va rien faire avec. On va les faire frire. Pour éviter qu'ils collent ensemble, on va les passer dans la farine. Donc, on le tapote pour enlever tous les excédents. Voilà. Et on le passe 2 minutes en friteuse chaude. Alors, si on n'a pas envie de sortir la friteuse, on le farine et on le fait griller à la poêle recto verso. Combien de temps? Tout simplement 2-3 minutes, qu'il y ait une belle couleur dorée dessus. Et ça sera très bien aussi. D'accord. Ça évite d'avoir les odeurs de friture après. On va finir la sauce. Donc là, on va rajouter un petit peu de beurre frais dedans. Éviter les beurres aromatisés ou demi-sel, ça risquerait de donner un goût qu'on n'attend pas. Hein. En grosse quantité? Non, pas beaucoup. Là, on va mettre l'équivalent de 30 grammes de beurre. Là. Pendant tout ce temps-là, nos cuisses qui ont confit tranquillement sont arrivées à terme. Quel est le moyen de vérification? Et en fait, il suffit de les pincer avec le doigt. De cette manière-là. Vous voyez, la chair pas, se détache. Hein, ouais, d'accord. Oui, c'est très chaud, il faut le faire vite. Ouais, donc là, on voit bien que c'est cuit. Donc ça, on va en débarrasser un petit peu. Donc là, on est avec une recette qui a une grosse valeur ajoutée travail par rapport au produit de base. Tout à fait. Donc maintenant, on a rassemblé tous les éléments. On a la sauce qui est finie, la petite poêlée de girolles, la polenta avec le gel de kumquat, les cuisses confites et le filet de la canette. Donc on passe maintenant au dressage. Donc on se munit d'un petit cercle dans lequel on va disposer les girolles. Là, on est un peu dans l'artistique déjà. Après, il faut que l'assiette soit harmonieuse et qu'il y ait une présentation qui soit, agréable à l'œil. Hein. Il faut que, quand on voit l'assiette arriver, il faut que ça fasse plaisir. Par-dessus ça, on va disposer un petit morceau de manchon, donc de la cuisse, qu'on va bien appuyer pour qu'il tienne droit de cette manière-là. Mm-hmm. Devant, on va poser notre polenta frite, notre gel de kumquat qu'on a auparavant mis en poche. On va donc remplir le fameux petit trou qu'on a fait. Ensuite, on a notre filet de canette. On va le couper en petites tranchettes. On le retourne. C'est combien de tranches par assiette? Enfin, un filet par personne. On mange bien chez vous? C'est un plat principal. En Alsace, on mange bien. En général, on n'est pas volé sur le... Sur la quantité. Sur la quantité. Sur la qualité ensuite, non plus. Au milieu, la sauce. Généreusement, hein. Chez nous, toujours tout est généreux en Alsace en général. Et chez vous en particulier? Et une petite verdure pour la déco. Ah ben ça, c'est un plat de chef étoilé. On goûte, chef? On y va. Alors, vous me conseillez comment? Je prends... Alors, vous coupez un petit morceau du filet de la canette. Et voilà, parce que je suis au régime, j'en prends très, très peu. De polenta avec le gel de kumquat et... Et j'associe ça. Entendu. Je casse tout, hein. Oui. Ah! C'est pas beau, j'abîme votre travail. Mais je l'apprécie en même temps. Félicitations, Julien. J'espère que... Nos spectateurs pourront réaliser ce travail d'artiste parce que c'est un travail quand même de chef étoilé, mais on avait bien besoin de connaître cette recette car ça me paraît un programme magnifique. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est à bord de cette barque que s'achève cette romantique promenade à Colmar. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour très bientôt.